Hey, salut les fans de Magic, salut à nos fans de MTGQ. Aujourd'hui, pré-release de Dominaria. Malheureusement, j'avais d'autres occupations, j'ai pas pu aller dans un des magasins proches de chez nous pour assister et préparer le deck de pré-release et participer à l'événement. Mais évidemment, nous chez MTGQ, on est deux, donc le pouvoir d'être deux, c'est que j'ai tout ce que ça me prend pour le faire quand même. Donc on procède sans plus tarder à l'ouverture. On va probablement faire un match aussi. On va simuler le pre-release avec mon collègue de MTGQ. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Sans plus tarder. C'est les deux promos. Oh, une saga. Ainsi que, c'est pas une rare, mais ah ben gadon ça. Tu plates un peu de pogner ça dans un pre-release. J'ai hâte de voir quel deck on va pouvoir faire avec ça. Deck de 40 cartes, que des basic lands. Jusqu'à date, là, j'ai vu beaucoup de bleu passer. Évidemment, vous comprendrez qu'on fait une petite présentation de l'ouverture, mais le deck, on ne filmera pas moi en train de réfléchir pour faire le deck. Là. Ok, j'ai l'impression que ça ressemble à bleu-rouge pour tout de suite. Là, ce qui est le fun, c'est que pendant un bon moment, là, on va avoir beaucoup de cartes dans le standard. Dominaria qui apparaît. Dominaria qui apparaît aussi comme un set quand même assez puissant. On va avoir le prochain core qui va être dans le standard avant que la rotation embarque et qu'on perde Kaladesh et Meta Revolt. Donc, il va y avoir beaucoup de cartes dans le standard pour un petit moment. Et le dernier.
Bon, laissez-moi réfléchir à ça. On va faire un petit deck-tech. Mon collègue de MTGQ va faire la même chose. Donc, on va se revoir pour l'affrontement du pre-release entre deux pre-release kits qui ont été ouverts devant vous sur MTGQ. Merci. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Passez une bonne journée.